Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle ouverture de cartes Pokémon, la troisième de la chaîne sur la série Écarlate et Violet 151, le 151 premier Pokémon que nous allons ouvrir tous ensemble en direct live. Enfin, pas en direct, mais vous allez avoir mes trucs en direct, donc c'est plutôt cool. Je me suis compris. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos précédentes qui m'ont fait extrêmement plaisir. Oui, c'est ça. Hop, et on va essayer de pas se spoil, j'ai les cartes là. Ok. Ok, on a peut-être une ultra rare entre nos mains. L'objectif, c'est d'avoir des ultra rares. J'aimerais bien avoir Raichu aujourd'hui. Merde, j'ai complètement... Bah oui, on commence avec Voltorb directement, donc ça fait plaisir. Voltorb qui avait une forme avant, qui était type plante avant, dans la région de Hisui. Ça fait plaisir. On va continuer avec un Pokémon au petit art, peut-être. Krabby, yes. Il nous faut des Pokémon qu'on n'a pas non plus. Et pour l'instant, avec les deux ouvertures précédentes, on n'a que des Pokémon qu'on n'a pas. Ça fait plaisir. Sablette, yes! En plus, on a eu l'évolution de Sablero juste avant. Ça, c'est cool. On va deviner ensemble la prochaine carte. Qu'est-ce que ça peut être? Un Pokémon haut encore? Je dirais petit art. Sa couche de gras lui permet d'être à l'aise dans les eaux plus froides. Il a par contre du mal à supporter les mers chaudes. Sa couche de gras. Ça pourrait être Tentacool aussi, mais je pense que c'est petit art. En vrai, petit art, c'est pas déconnant. Mais oui, j'ai complètement oublié ce Pokémon. Otaria, bien sûr. Otaria, trop trop cool. Otaria, maintenant, son rival, c'est Otaquin. Et puis, il y a Otaria aussi, de la génération Soleil et Lune. 7e génération, c'est ça? Peu commune, oui, avec Tainion. Ouh, elle en holographique, elle doit être incroyable. Tainion, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Il y a Kikley aussi. Ah, elle est hyper belle. C'est qui l'illustrateur? C'est Dom. Bah franchement, trop bien. Il a un talent contre-attaque. Ce Pokémon est sur le poste. Si ce Pokémon est sur le poste actif, qu'il subit des dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Ah oui, bah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir un Pokémon haut. Peu commun. S'il fait des trous dans les roches avec sa corne pour bâtir son nid, c'est pour éviter que ses œufs ne soient emportés par les flots. Ça pourrait être Crustabri. J'ai trop du mal à le dire. Crustabri, des œufs dans l'eau, peut-être des trous avec sa corne. Tentacruel, mais il a pas de corne. Lamantine, il a une corne. C'est une sorte de lamantin. Mais oui, il y a Poisseroi aussi. J'avais complètement zappé. Je l'ai pas dessiné, lui. Il me semblait que je l'avais dessiné. Je l'ai dessiné, je crois. Vous pouvez aller retrouver derrière les vidéos. Quel est ce Pokémon sur la chaîne V1, V-I-W-A-N. Ok, ensuite, un petit air bizarre, ça me ferait plaisir. Un petit air bizarre, allez. Il ramasse du nectar chaque jour et l'agglutine sur les poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Un petit Dardanian, ouais. Oh, il est trop chou. Oh, c'est Papillusion. Oh, il est vraiment trop chou. Et 130 points de vie, punaise. Eh, ça change de mon époque, ça. 130 points de vie, ça fait plaisir. La reverse. Oh, petite déception, mais... J'avais complètement oublié Ramolos. Punaise, mais il y en a des Pokémon, hein. 151 premier Pokémon, il y a de quoi faire déjà. Ramolos, ouais. Ensuite, on va avoir... Il est buggé. J'ai deux Reverse. Je comprends pas. Ou ça veut dire que c'est... J'ai une super rare. Ouais, j'ai deux Reverse. Ah, c'est pas le même, ça va. On va avoir... Oh oui, Soporifique en Reverse également. Est-ce que ça veut dire qu'on a une ultra rare? Allez, Dracaufeu X, Mewtwo X. Ou Raichu X, allez. Oui. La brillance est incroyable. Et en plus, j'ai vu une vidéo de Gros Doudou qui écrasait le professeur Chen sur YouTube il y a pas longtemps. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop drôle. Et on va avoir une petite énergie de base, l'énergie O, qui est très très belle aussi. Donc, quand on a deux Reverse, alors ça... Ça veut dire qu'on a une ultra rare derrière. Oh, trop bien, on a un Pokémon X. Et ça, ça fait plaisir aussi. Ils ont remis les Pokémon X. C'est trop bien. Gros Doudou X. Bon, ça fait plaisir, c'est pas le meilleur X. C'est un Pokémon de type normal. Bon, en vrai, il est type normal effet, je pense. Attendez, je me concentre et je reviens vers vous. Mais ça fait plaisir. Ah, il y a deux petites étoiles pour la rareté. Ils ont changé les raretés, enfin les logos des raretés. Ok, donc deux étoiles, ça veut dire que c'est deux fois plus rare. Non, je sais pas. Mais trop bien, Gros Doudou X, j'adore la brillance de ce Pokémon. Et j'aime beaucoup ce Pokémon qui est marrant. Non, qui est un Pokémon marrant,
qui a beaucoup d'empathie, qui aide les infirmières Joël dans l'anime Pokémon. On a eu Soporific en reverse, Ramolos en reverse, deux reverse de psy quand même, c'est quand même assez marrant. On a eu Papillusion, Poisseroi, Tagnon. J'ai beaucoup aimé Tagnon. Bah là, Team Tagnon et Gros Doudou. Franchement, Gros Doudou, c'est mon coup de cœur de cette ouverture de cartes Pokémon qui fait plaisir. Je vais dire Tagnon pour ce troisième booster. Gros Doudou plutôt. Mais Tagnon, j'aime beaucoup. Il sera en reverse, ce serait pas mal. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était V1. Salut!